Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tester la maturité de Unchain. Ici, j'ai une tablette. C'est quoi cette tablette? Tu vas réagir à des clips. Je vais noter avec des petites croix et on verra quel va être ton niveau de maturité à la fin de cette vidéo. Un exemple. Immature. Oh zut alors. Exemple mature, tu vois quelqu'un qui tombe et qui se fait mal. Oh mince. Vous voulez que je vienne vous aider monsieur? Exactement. Mature. Faire. Mature. Yes. Les amis, je me sens chaud. Alors tu m'as préparé des clips de baisers. C'est immature ce que je viens de dire. T'es prêt? Je suis chaud, ouais, je suis prêt. Je sors mon stylo. 3, 2, 1. Even the babies are one of the most dangerous animals in the world, so I built this cage to keep them secure so there's no possible. Oh my god. Alors son oh my god. Oh my god. Tu vois, il était vraiment extrême. Mais en fait, le but, c'est que quoi? Si je ris pas, je suis mature, c'est ça? Ça dépend de quoi tu rigoles. T'as le droit de rigoler. C'est pas un. Parce que là, si je rigolais ou pas rigoler. Oui, c'est pas grave. T'as le droit. Il y a des blagues où tu peux rigoler, c'est quand même mature. Rigoler, c'est pas subjectif. Le test est pas un truc qui. Ah non, c'est que toi, genre. C'est pas scientifique, tu vois. C'est que toi qui me teste. C'est que moi qui te teste. Ah oui, d'accord. T'as le droit de rigoler. Dany, franchement, t'es mon pote. Mais rigole, je suis mature. Ok. Je suis mature. Oui, t'es mature. Ou pas. J'ai pas pété pour l'instant. Ah, je connais, il va tirer dedans. Eh, le test, c'est toi, c'est pas moi. Franchement, et je suis sincère, j'aurais fait la même chose que lui. Ah, on y vient. Mais oui, bien sûr, je le fais tous les jours, H24. Ok, c'est bon. Attention, enfin, oh là là. Ah, mais je le connais, c'est le pote de Squeezie. Les warnings, c'est fait pour signaler un danger, monsieur. Ça n'est pas fait pour stationner. Attention, les petits bouts de pied, là. Super stationnement, ça. Ça, c'est un bon stationnement, ça. Il m'a pas vu, il a failli me tuer l'assassin. Ça va pas la cabeça. Très bien. C'est marrant. Là pour l'instant je peux rigoler. C'est bonne blague. C'est chill. C'est pas parce que je rigole que je suis immature. Par contre là, si le prochain clip c'est quelqu'un qui se casse la gueule, que je rigole. Oui. Hein? Ça c'est toi quand tu vas aux toilettes, non? Alors là. Non mais je ne dirais rien. Mais c'est trop facile de rigoler je quand. Dirais mais rien. Non mais les gars, c'est trop facile. Je pète, tout le monde rigole. C'est comme ça. C'est dans la nature humaine. Finesse, j'ai avoir tellement de mauvaises notes. Allez, celle-là je suis bien. Later, the bear was spotted behind this home in Moreland Hills. Mm-hmm. This recreation identifies how witnesses say the bear escaped into the woods. Non, c'est une blague. C'était un ours fort en carton. T'as entendu mon ventre? Oui. Toi, j'ai compris. Lui, en fait, il a mangé des flageolets exprès. Mais non, mais pour que je perde des points parce qu'il va péter dans la vidéo, c'est ça? Non, 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 s'il te plaît, mec, s'il te plaît, je suis là. Ah, elle est très heureuse et tout. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle a vomi parce qu'elle était en train de tourner en rond. Ce clip m'a fait zéro effet, voilà, sincèrement. Ah ouais? Ok. Je n'ai même pas trouvé ça marrant. Today we had a big contrast in temperature across the UK, just 12 degrees over coastal parts of eastern England, with cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyng, gallwch chi gweld y gwyndrobwll, Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21 Celsius. Le commentateur météo, mais qu'est-ce qu'il est fort, mec. Il a dû apprendre tout ça par cœur. Il a même pas bégayé, voilà, comme ça. C'était tellement fluide. Là, je suis respectueux. Mature. Est-ce que... Non, mais il triche, en fait, c'est un faillot. Mais je triche pas, c'est la vérité. T'es un faillot, mais toi. Mais je me retiens même pas. Tu te mettais à quel rang quand t'étais à l'école? Devant, à droite. Tu rigolais proche pas de la pour sortie. Rien. Tu te moquais pas des gens? Non. Ok. Hey, t'as rigolé. Immature. Hey, bon film. Filmez-le, tournez la caméra, là. T'as lâché quoi, là? Bah, c'était ce qui a gargouillé 2 minutes avant. Ouais, c'est parti, on continue. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en cours. Ils me disent qu'on fait leur course. On marchait. Ça, c'est rigolo. Quand il pète, tu l'entends dans le micro. Reviens, Unchain. La test de maturité, c'est à Dany qu'il faut la faire la prochaine Quoi vidéo. Bah oui, Quoi les amis, on me dit de likes. 40 000 likes, on fait un test de maturité sur Dany. Et c'est moi qui juge. Allez, on continue. So is it any wonder people are afraid of technology? Technology. Moi, j'essaie d'être vraiment le plus naturel possible. T'aurais pu rigoler, c'était mature, c'était marrant. Je vais pas me forcer à rigoler. Ah non, mais moi j'ai trouvé ça drôle du coup. Si t'as pas rigolé, c'est que t'es un enfant. Donc, t'es immature. Penetrated. Quoi? Penetrated. Penetrated. Pen. No ship can penetrate. C'est Star Wars, c'est ça? Arrête, parce que c'est toi qui me fais rigoler. Ah oui? Oui, c'est toi qui me fais rigoler. Tu rigoles avant, tu ouvres ta bouche parce que tu veux genre. Je suis sûr qu'il a moitié des points, c'est juste parce que t'as pété. Presque. Oh, il était à poutre à connaître celui-là. Je crois que je le connais celui-là. Non. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est quoi ce juge? Cette personne est débile. Suis-je immature ou pas? J'en sais rien.
C'était marrant. Attends, je peux tester sur toi ou pas? Je sais pas lequel des deux est immature là, parce que moi qui teste sur toi et toi qui fais vraiment le son, je sais pas. Écoute, moi je mets là un point. Oh bonjour, ramassez le gobelet, c'est bien. Oui. Il y a un gars dans la poubelle qui va le dire. Comment j'en... Ah mais moi, il me l'aurait fait. Mais je lui aurais cassé la mâchoire, mec. Quoi? Il a dit quoi? Elle a dit, elle est bizarre. Parce que la meuf, elle a juste mis le gobelet dans une poubelle. Bon, ok, c'est pas une poubelle pour recyclage. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Elle a fait un geste positif et le mec, il lui gueule dessus, il lui dit, elle est bizarre. T'es ZZ Fayot, là. Tu veux des points? Mais ferme ta gueule. Ah ouais? Oui, parce que Danny, il a été professeur, lui, dans la vie, d'accord? Et là, t'es en train de me dire que mon manager, c'est un professeur. Peut-être moins deux. J'avoue, là, j'ai moins deux. Très immature. Je suis obligé de dormir avec un masque la nuit. Non. Alors sur les le mec il a... Attends, écoute, le timide, attends. Attends, le timide. Le deux temps. Non mais il laisse en dormant le mec. Point contre double. Ah non. Le pressé. Le sang non. Le fatigué. Ça c'est pour ta chaîne. Le régissement. Ouais. Ah ça c'était un peu bien ça. Mais ouais. La vidéo c'est que d'épée. Et je suis immature 100%. Sur celui-là, il y a marqué plus plus. Non mais c'est impossible, je tienne sur. Non mais il y a d'épée, c'est fini. Hi, I'm Gus Johnson. Today I'm Gus Johnson and today I'm gonna show you how to get free food from Subway. Hey, can I just get a packet of mustard, please? A what? A packet of mustard. Thank you. Have a good day. Hey. J'adore parce que c'est un full troll et il le fait tellement bien. La chute est vraiment pas mal. Je ne dirais pas ta notation sur ce score là, mais j'ai rigolé aussi. Bah quand c'était même. C'était tranquille, c'était bien, c'était marrant. Attention, test si Danny est mature. Pourquoi t'es tout rouge? Si faut t'amener à l'hôpital, tu le diras tout seul. Dis-moi, est-ce que je suis bien parti ou pas? Actuellement, t'es au coude à coude. C'est une expression de grand-mère. Est-ce que tu serais pas vieux? Coude à coude, quoi? Non, c'était une blague. Plus 1. Je te laisse imaginer dans quelle colonne j'ai mis le point. Attends, c'est quoi cette miniature? Attends mec, on refait exactement cette miniature, sauf qu'à la place de là, c'est toi. Ok, je prends le pari. Tu es là à côté, à la place de la foule. Et tu notes en mode le résultat expérimental d'avoir mis des motos dans mon cul. Exactement. Donc en cinquième position, le judopé, donc voilà, une petite prise de judo. Oh, je me suis cassé une dent. J'ai rigolé, ça a claqué mes dents. C'est trop con. Alors t'as rigolé mec, t'as rigolé parce que j'ai rigolé ou t'as rigolé parce que c'était un judopé? Je t'ai claqué les dents. C'est à moi de réagir, pas à toi. La femme fait un petit P dans la figure de son mari, ça fait toujours du bien. L'hippopotame, donc voilà, un petit hippopotame qui fait un P, voilà. Non mais celui-là, avec j'ai vu 10 fourmis. Il est en train de faire caca IP. Non. La voix grave, elle me termine. Il fait genre, c'est un mec viril, il parle de caca. C'est le plus judo, alors ça c'est un caca foireux. Petite modification dessus. Ah mais c'est ta voix? C'est ta chaîne? Oui. Hop, une petite galipette de thé, voilà, ça fait du bien. Non mais moi ce qui m'a fait rire c'est sa voix. C'est quoi cette vidéo? Franchement les gars, je vous dis sincèrement, je suis pas trop fier de cette vidéo. Mais je passe un bon moment. Clip suivant, l'odeur s'est apaisée. And I'm live here at the San Diego Yacht and Boat Show. Good morning everybody, I'm hanging out with my friend John. Fox 5 Morning News starts, look over there. And it starts right now. Le mec il s'est pris pour un poisson frère. C'était vraiment marrant, celui-là il était vraiment sympa. Ça aurait été trop marrant qu'il tombe avec le caméraman. Voilà, Andropoulos de Stanford University. Alors attendez, il y a un règlement intérieur des plus précis qui nous dit, article 77, il est rigoureusement interdit aux enseignants atteints de calvitie de type alopécie androgénique de se laisser pousser une mèche unique de 15 bandes de long sur un seul côté de la tête en vue de la rabattre sur le dessus du crâne, c'est interdit. On a fait un petit sourire. Ouais mais mec, moi la calvitie, j'en rigole pas. T'as rigolé? Non, j'en rigole pas. Wow, ce filtre, wow. What the hell is wrong with you watching television? Let me watch the telenovela, man! Idiot!
Alors ça, c'était cadeau. Il a filmé une personne âgée qui rage avec un filtre des mignons. Masterclass. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le business, moi je suis chaud. On va vendre des pommes, Mouloud. Investir, investir. Je suis chaud. On y va. Je vais monter une marque de pommes. Le logo, ça va être un ordinateur. Ah, bien joué, putain. Je vais être toi, moi. On va monter des Apple Store. Mais bien sûr. Bien sûr. Non, non, non. Les pépins, ils sont vendus séparément 35 euros. Bien sûr. Tellement pas trouvé ça rigolo. Ça se voit qu'au merci, c'est à la fin, il était en mode, faut que je fasse un effort. Allez, vas-y, mec, t'as raison. On passe à la prochaine, là, parce qu'il pète les couilles, ce gars. Mature. Alors là, ma réaction était mature. Tu sais, genre, c'est en mode, j'allais te mettre une note. Mon studio l'a fait. Il s'est pas arrêté, il a fait. Mais Google, il était pas rigolo, le gars. J'ai pas rigolé, je suis mature. Je pêche tranquille. Non. Il tombe dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Voilà, attends, on va se prendre un petit snap à deux, après je te relève. Voilà. Ah, fils de pute. Tranquillement, voilà. Tais-toi, je te dis, ferme ta gueule. Ouais, tellement d'informations. Comment il est tombé dans l'eau? Il a poussé? C'était une bagarre? Ouais, mais il est tombé, c'est marrant. Et pourquoi ensuite, après, le mec, il est dans l'eau, on dirait un escargot? Zoom sur sa tête. On dirait qu'il s'est transformé en un animal. Il a rencontré la sirène, ils ont fait un gosse, pouf. Oula, tu perds des points. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'est-ce qu'il m'a fait. Et le mec a fait ce montage là, il a abusé à la fin, ok. La note très haute là à la fin là. Pourquoi tu t'es rattrapé là comme ça, t'as rigolé? Je parle à mes abonnés. Ah. Qu'est-ce que... Mais t'as le droit de rigoler, rigole, c'était marrant. Mais je suis moi-même. Je vais pas me forcer. Pour moi, c'est un... Je déteste qu'on me le fasse, du coup. Je me mets à la place de la personne qui ça lui arrive. Ça doit être sa maman, elle est partie chercher des gâteaux dans le frigo. Elle a perdu tout. Suivant, tu t'enfonces. Enfonçons, hein, t'enfonces pas. J'aime les tartes aux pommes. J'aime les tartes aux maroilles. Mais ce que je préfère, c'est la tarte au poil. Vivre entre tes cuisses toute l'année. Ça, frère. Dans ton parking, je suis bien garé. Prends-moi la. Quand je vois tes deux fesses durcies, ma queue, serré ta voix et je t'ai mis qu'un doigt. Je pleure là. Cette vidéo va être ban de YouTube, ok? Mature. On finit sur cette touche de maturité de la part du youtubeur français. Et maintenant, nous allons procéder au comptage des points. Tu as 7 points neutres. Ni mature. Ni mature. C'était normal. Ni mature. T'avais le droit de rigoler, mais c'était okay. Dans la moyenne. 11 points matures. Applaudissons. 11 points matures, je suis content. Mais combien de points immatures? Je rappelle que tu as pris un double combo multibonus x2 deux fois. De toute façon, qu'il a mis des malus quand il a pété. 12 points immatures. Oh non! Donc là, j'ai fait un petit camembert. Là, les points immatures, là, les points matures. Bon, ce que j'ai compris, c'est que j'ai perdu. Très bonne conclusion. Un point mature. Un point mature. Oh, 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 12! 12 points! Égalité. Merci à vous, les amis. Je suis neutre. T'as mûri, t'es devenu un homme. Je suis juste moi-même, les gars. De toute façon, vous savez très bien que la personne la moins immature de nous deux, c'est Dany. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. On se retrouve à la prochaine. Et Raph, tu vois une autre vidéo ou quoi, n'hésite pas. Voilà, hop, tu peux juste cliquer ici. Oh, mec, un voyage au Japon. Oh, avec Mr Beast. Mais non. Trop bien. Viens, on clique dessus, on la regarde. Vas-y.